Lettre 61 à Marguerite Golo est datée du 6 juin 1901. Bien chère petite sœur, je suis prise par la pâte. C'est ce qui fait que vous ne me voyez plus au Carmel. J'ai un peu d'épanchement de synovie, presque rien, mais je ne puis guère marcher. Voyez-vous, le bien-aimé veut faire partager à sa fiancée la douleur de ses genoux divins au chemin de la croix. Je suis privé du Saint-Sacrement. Mais mon Dieu a-t-il besoin de cela pour venir à moi? Oh, ma sœur, qui peut nous séparer de celui que nous aimons, de celui qui nous a prises pour nous faire siennes, pour n'être plus qu'un avec lui? J'espère avoir quelque chose de vous, car ma sœur va tous les jours au Carmel, et on pourrait le lui remettre. Elle est très discrète. Peut-être n'avez-vous pas osé. Vous a-t-on remis mon dernier petit mot de l'autre dimanche? Priez bien pour moi, chère Marguerite. Je ne sais quand je vous reverrai. Hier, j'ai été à la chapelle et cela m'a fait du mal. Restons bien unis. Retrouvons-nous en lui. Oh, aimons-le, laissons-nous tout prendre, tout emporter, quittons la terre pour vivre avec lui dans les régions infinies où le cœur se perd et se dilate. Adieu, je vous embrasse. Élisabeth de la Trinité.